Première épître de Pierre, nous lisons au chapitre 5. Première épître de Pierre, c'est là que vous allez découvrir la bague. Il y a une bague merveilleuse, donc, qui est cachée sur un écrin tout noir, un écrin de souffrance, un écrin de difficulté. Ce sont des géants persécutés qui étaient là, donc, particulièrement à qui Pierre, donc, a écrit cette première lettre. Et le mot souffrance revient très, très souvent dans cette lettre de l'apôtre Pierre. Nous allons lire au chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 10, et nous avons là un trésor merveilleux, une bague formidable. Alléluia. Une bague à 4 diamants. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même en personne, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous sommes devant toi en ta présence. Notre cœur est imbibé de ta présence et nous te bénissons pour ces merveilleux cantiques. Nous voulons être un terrain fertile, Seigneur, que la charrue de l'Évangile continue, Seigneur, à tracer des sillons dans lesquels sera déposée la semence merveilleuse de ta parole, qu'elle puisse fructifier dans nos vies, que nous soyons un bon terrain, Seigneur, que nous puissions recevoir cette parole, non pas comme étant la parole du pasteur Bourgier, mais comme étant ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Nous te demandons que nous puissions avoir un cœur honnête et bon pour recevoir cette parole-là, et qu'elle y porte du fruit en abondance. Dans le nom de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais que ce message ait au moins 6 volets, 8 volets. Amen. On dirait qu'on est bien parti dans ce message-là. Ça fait 4 fois. Donc, c'est le 4e message que nous avons sur ce sujet, la bague à 4 diamants. Et les 4 diamants, eh bien, ils sont là. Dieu, l'apôtre Pierre, demande que les chrétiens qui souffrent, qui sont en difficulté, il y a Néron, il y a Domitien, il y a des Césars qui tuent les chrétiens par centaines, donc, dans l'Empire romain, et on rit, donc, dans le Colisée à Rome, lorsque les lions sont lâchés, et qu'un petit groupe de chrétiens, une dizaine, une vingtaine, eh bien, devant la foule immense de Rome, eh bien, le spectacle est grandiose, surtout lorsque le sang coule. Et ces chrétiens se demandent qu'est-ce qui est en train d'arriver. Ils se posent la question, sont-ils véritablement peut-être arrivés à la grande tribulation? Non, ce n'était pas la grande tribulation, c'était une tribulation parmi d'autres. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a différents éléments qui n'étaient pas encore là. La grande tribulation ne peut pas arriver avant que l'Église n'ait été enlevée. Il faut que celui qui retienne, qui empêche l'Antichrist de venir, ait disparu. Et lorsque nous aurons disparu dans les airs, alors, sur la terre, évidemment, l'Antichrist pourra venir de façon libre pour séduire l'humanité entière. Évidemment, donc, ces chrétiens, au premier siècle et au travers des siècles, ont subi des revers, ont subi le feu de la persécution. Et évidemment, l'apôtre Pierre, qui a écrit cet épître, eh bien, l'a adressé à tous les chrétiens souffrants. Et là, il propose une demande. Il demande au Seigneur que tous ces chrétiens aient une bague à leur doigt avec 4 diamants. Le premier diamant, il demande que ces chrétiens-là soient perfectionnés, arrivent à une maturité chrétienne. Il demande comme deuxième diamant qu'ils soient affermis, rendus fermes. Troisième diamant, il prie pour que Dieu les fortifie, les rende forts. Et le 4e diamant, diamant merveilleux, que finalement ils arrivent à un état où ils seront totalement inébranlables, quoi qu'il arrive. Inébranlables. On peut arriver à cet état-là. Et ce soir, évidemment, donc, en voyant cette bague merveilleuse à 4 diamants,
Nous allons nous poser une question. Pourquoi Pierre, l'apôtre, s'attendait-il à une réponse à sa prière? Est-ce que Dieu allait répondre? Est-ce que Dieu allait véritablement perfectionner lui-même ses enfants? Est-ce qu'il allait les affermir, les fortifier, les rendre inébranlables? Est-ce que le Seigneur allait répondre à la prière de l'apôtre Pierre? Et peut-être que l'apôtre Pierre, alors qu'il écrit sur le parchemin, qu'il entend, je dirais, le bruit de la plume qui gratte, soudain à son oreille arrive un soupir d'incrédulité. « Pierre, tu demandes bien trop. Tu demandes bien trop pour ces chrétiens. Tu as toujours été une tête dure, Pierre. Un jour, tu as dit à Jésus, « Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je veux marcher comme toi, tu marches sur les eaux. » Pierre, tu as toujours été un extrémiste, un présomptueux. Tu aurais pu dire, « Seigneur, rends-moi saint. » Ça aurait été suffisant. Pierre, tu demandes toujours trop. Tu demandes une maturité, une fermeté. Tu demandes à être inébranlable. Voyons là. Tu demandes trop. Pierre répond à l'incrédulité et dit, « No way! Pas question! Non, non, non! Je suis certain que je vais recevoir ce que j'ai demandé. Pourquoi? Parce que je le demande au Dieu de toute grâce. » Je le demande au Dieu de toute grâce. Il va dire au verset 10, le Dieu de toute grâce. Le Dieu de, pas le Dieu des petites grâces. De toutes les grâces. Paul, tu es en difficulté. Tu es en prison. On vient de te lapider à Lystre. Mais ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Pierre adresse cette demande, les quatre diamants, au Dieu de toute grâce. N'oubliez pas que nous avons commencé le cheminement par la grâce. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu pour que personne ne se glorifie. Et nous continuons par la grâce. Nous adressons nos demandes au Dieu de toute grâce, une grande grâce qui est sans limite, une grâce vivifiante, une grâce consolante, une grâce convaincante, la grâce qui nous pardonne, la grâce qui nous aide à croire, la grâce qui nous soutient, la grâce qui nous soulage, la grâce qui nous réconforte, la grâce qui nous console. Quand on vient vers lui, on ne vient jamais pour trop. Non. On ne vient jamais pour trop. Amen. Ce n'est pas le Dieu d'une grâce. Ce n'est pas le Dieu de deux grâces. Non. C'est le Dieu de toutes les grâces. C'est bien écrit. Le Dieu de toute grâce. Un jour, Jacob, ce patriarche, a parlé à Dieu et lui a dit, « Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Je suis trop petit pour tout ça. » Chrétien, chrétienne, Église de Dieu, lorsque tu vas à genoux dans la prière devant ton Dieu, tu vas devant un roi. Tu vas devant un roi. Que tes requêtes soient larges. N'aie pas peur. Un jour, il y avait un serviteur du roi Alexandre le Grand. Vous avez entendu parler d'Alexandre le Grand, le grec. On a dit à Alexandre le Grand, il y a quelqu'un qui s'est vraiment signifié, s'est valorisé dans un combat, et c'est un tel. Alexandre le Grand dit, allez
dire à cet homme-là qu'il peut demander ce qu'il veut et il va l'avoir de ma part. On est allé voir ce monsieur, c'était distingué dans le combat, et on lui a dit, tu peux avoir quoi que ce soit que tu choisis de demander comme récompense à cause de ta bravoure, à cause de ta valeur. Et cet homme a demandé une somme d'argent si grande que le trésorier d'Alexandre le Grand a refusé de la payer avant d'avoir vu Alexandre le Grand. Alexandre, apprenant la chose, s'est mis à sourire et a dit, c'est vrai. Il demande beaucoup pour lui, mais ce n'est pas beaucoup pour Alexandre le Grand. Je peux lui donner ça. Je l'admire, cet homme, pour sa foi en moi, qu'il ait ce qu'il a demandé. Qu'il ait ce qu'il a demandé. Le Dieu de toute grâce vous rendra inébranlable. Ça veut dire, ça ne branle plus. Mon pupitre, il branle un peu, voyez. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être fixée. Ne soyons pas, je dirais, branlables. Le Seigneur est capable de nous rendre inébranlables. Inébranlables. Salomon, que veux-tu? Que veux-tu? Je suis un jeune roi. Je ne sais pas quoi demander au Seigneur. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé des millions d'argent. Et il a dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la sagesse. Savoir comment me conduire devant le peuple. Et Dieu lui a dit, tu auras cela. Notre Dieu est un roi. Est-ce que je peux lui demander d'être perfectionné, d'être affermi, d'être inébranlable? Yes, yes, oui, 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 oui. Savez-vous ce que Jaébetz un jour a demandé au Seigneur? Jaébetz est un homme particulier. Il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On va devant un roi. On va devant un roi. Demandez au Seigneur et vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous n'avez pas demandé. Il faut demander au Seigneur. La Cananéenne est venue vers Jésus. Jésus, s'il te plaît. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est cruellement tourmenté par le diable. Il semblait que Jésus refusait. Et vous connaissez l'histoire. Elle est restée là. Elle est restée là. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour toi. Tu n'es pas une juive. Voyez. Et ainsi de suite. Et vous connaissez. Et elle est restée là. Finalement, résultat. Retourne chez toi, ta fille est guérie, ta foi est grande, ta foi est grande. Notre foi, elle doit être nourrie. Je peux demander d'être inébranlable, je peux demander d'être affermi, je peux demander de rester jusqu'à la fin fidèle, jusqu'au Seigneur, dans la saine doctrine. Je peux lui demander, je peux. L'apôtre Paul lui a prié le Seigneur. Pour les chrétiens de la ville d'Éphèse, ils vivaient au milieu de l'impureté, de la saleté, des poubelles. Il y avait le temple de Diane, il y avait les prostituées du temple, il y avait toutes sortes de choses abominables à Éphèse. Imaginez, le drapeau de l'évangile a été planté là, à Éphèse. Et Paul a prié pour ces chrétiens. Il a dit, Seigneur, te demande un esprit de sagesse pour eux, de révélation dans ta connaissance. Seigneur, s'il te plaît, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves à tes enfants et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. Quelle prière! Est-ce une petite prière? Voyez, Seigneur, guéris mon petit orteil gauche, s'il te plaît. Voyez. Non, il demande des choses merveilleuses, des choses spirituelles, des choses où Dieu sera glorifié. Salomon a demandé, Jaébetz a demandé, la Cananéenne a demandé, l'apôtre Paul a demandé, Josué a demandé encore plus. Il était dans la bataille et il a vu que le soleil à l'ouest allait se coucher. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Soleil,
Reste là où tu es, bouge plus. Pouf, tout le système solaire s'est arrêté. Imaginez, pour qu'il ait plus de temps pour gagner la victoire sur ses ennemis. Merci Seigneur, notre Dieu est tout puissant. Ne le minimisons jamais. Amen. J'ose demander la perfection, j'ose demander la maturité. J'ose demander que je sois comme Adam dans le jardin d'Éden, à l'image du Dieu pur. Je ne serai jamais Dieu, je ne serai jamais un petit Dieu, mais je peux être comme Adam dans le jardin d'Éden. J'ai été refait par l'intérieur. Je suis né une deuxième fois. Je ne connais plus la vieille personne d'avant, c'est fini. Je peux demander au Seigneur que mon mauvais tempérament s'en aille. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est toute une demande. Voyez. Je peux demander que mon entêtement disparaisse. Je peux demander d'être affermi, d'être fort, d'être inébranlable. Je peux demander qu'un jour, je puisse marcher là-haut, dans les rues d'or de la ville céleste, avec le vêtement de mon sauveur, revêtu de la robe blanche. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je peux demander, j'ose demander, qu'un jour je puisse me tenir au milieu d'une gloire éclatante. Alléluia. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ose demander qu'un jour là-haut, je pourrai crier, qui accusera l'élu de Dieu? J'ai tellement été accusé ici-bas sur la terre que là-haut, dans la gloire, je pourrai aux quatre coins de l'univers demander qui accusera l'élu de Dieu. J'ai été justifié, pardonné, libéré. Alléluia, que Dieu soit béni. Mon frère, ne te laisse pas mettre sous une condamnation. Non, ose demander au Seigneur ces choses-là. Amen. Alléluia, je peux demander que toutes mes imperfections soient couvertes par son sang. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Pierre peut demander ce qu'il demande, cette bague à quatre diamants. Et j'aimerais vous dire, ce Dieu de toute grâce, Pierre ajoute un petit mot, c'est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé en premier, c'est lui qui s'est fait connaître à nous. C'est lui qui s'est révélé à notre cœur. L'incrédulité revient vers l'apôtre Pierre. Et susurre à son oreille, « Ouais, Pierre, Dieu de toute grâce nous a appelés, mais ce Dieu est comme une fontaine scellée, on ne peut pas le connaître. Ce Dieu est comme une source fermée. » Et Pierre de répondre, « Arrière de moi, Satan, tu ne connais pas les choses du Seigneur. Tu ne savoures pas les choses de Dieu. Mon Dieu n'est pas une fontaine fermée parce qu'elle a commencé à couler à Golgotha. Alléluia. Le Dieu de toute grâce nous a appelés. L'appel, être appelé d'en haut, l'appel céleste, c'est la première goutte de miséricorde qui tombe sur les lèvres sèches d'un homme assoiffé qui est en train de mourir. Pouf, première goutte. Oh, ça fait du bien. Il y a quelqu'un là-haut qui m'appelle. C'est un chaînon en or, d'une chaîne sans fin, d'une miséricorde éternelle. La première chose que nous connaissons de Jésus, c'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et combien nous l'étions. Fatigués, chargés. Ici au Québec, on dit tannés. Voyez. Nous étions comme cela. Venez à moi, vous tous fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Il s'adresse à nous par son Saint-Esprit qui est si doux. Ce Saint-Esprit, sa première œuvre a été de nous convaincre. Et il est allé jusqu'au fond. Il a percé nos poumons, il est allé jusqu'à notre cœur. Et là, il a mis le doigt sur le bobo. Et il nous a dit, tu es un pécheur. Non, 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 non. Oui, tu es un pécheur.
on a combattu, on a résisté, mais la vérité était là. Et nous avons capitulé. Et nous avons dit, Seigneur, oui, c'est vrai, je suis un pécheur. La première goutte de miséricorde. Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive. En enfer, il n'y a aucune eau. Il n'y a rien pour se désaltérer. Les gens crient pour l'éternité, de l'eau, de l'eau, de l'eau, j'ai soif, j'ai soif. Et rien ne leur sera donné pour toute l'éternité. Imaginez. Ô Dieu qui nous a appelés, nous obéissons à son appel, nous venons à lui, et si Dieu m'a appelé, si Dieu t'a appelé, alors tu peux lui demander la maturité chrétienne, l'affermissement. Tu peux lui demander la force spirituelle. Tu peux lui demander d'être inébranlable. Inébranlable. Ça ne serait pas écrit sinon dans la Bible. Je connais un de mes amis actuellement qui m'a téléphoné dernièrement. Il m'a dit, pasteur, dites-le à tout le monde. J'ai perdu 15 ans de ma vie. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, dans l'église, j'avais un ami. Et cet ami m'a dit, tu sais, là, la Bible, ça, tu ne pourras jamais la vivre. On ne peut pas vivre à la hauteur de cette Bible-là. Évidemment, je suis retourné dans le monde. J'ai cru ce mensonge. Et j'ai perdu 15 ans de ma vie. Ce livre, on peut le vivre. On peut demander à Dieu d'être inébranlable. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse au Dieu de toute grâce. Et qui est ce Dieu de toute grâce ? C'est celui qui nous a appelés. Il m'a appelé. Il y a un lien qui est créé. C'est comme le petit gars qui est un jour de grand vent et de nuages, est au bord de la plage. Quelqu'un arrive vers lui et dit, tu tiens une corde, mais il n'y a rien au bout de ta corde. Oui, oui, c'est mon cerf-volant qui est au-dessus des nuages. Mais comment tu le sais? Il dit, je le sais par la corde, ça tire. Amen. Nous les chrétiens, nous savons, amen, la corde, elle tire. Il y a la présence de Dieu, il y a un contact. Nous avons été appelés, quelqu'un a parlé du haut des cieux. Merci Seigneur. Alors je peux lui demander qu'il me garde. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Celui qui garde Israël ne dort pas ni le jour ni la nuit. Il te gardera de tout mal. Il te gardera, je peux lui demander cela. Amen. Pierre va dire, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Êtes gardés, gloire au Seigneur. Je peux lui demander qu'il m'établisse. Jésus dit, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. C'est lui qui nous établit, solide dans le ciment de sa parole, les deux pieds soudés au roc des Écritures, au socle des Écritures. Je peux lui demander que ma piété ne meure pas, tandis que mes années sont en train de s'écouler. Que ma piété, Seigneur, ne soit pas comme la nuée du matin qui est là le matin et qui ensuite à 10 heures a disparu, ou comme la rosée qui est là à 6 heures du matin et à 8 heures, il n'y a plus rien, l'herbe est sèche. Et parfois, la piété de certains chrétiens est exactement comme cela. Ils sont pieux dans l'Église et dans le monde, ils sont impies. Le contraire. Sur la terre, ils marchent avec le diable, mais ils veulent aller au ciel où il n'y aura plus aucun péché. C'est impossible. C'est impossible. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je peux demander au Seigneur que le buisson puisse brûler et qu'il ne se consume pas. Seigneur, je veux brûler sans me consumer. Je veux vivre pour toi. Je peux demander que le pot de farine ne se gâte pas. Je peux demander que la farine ne manque pas dans le pot. Je peux demander que la cruche d'huile ne diminue pas. Je peux lui demander ça. Je peux lui demander aussi qu'à la dernière heure, quand la dernière heure de ma vie va arriver ici-bas sur terre, eh bien que je sois encore fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle envers moi. Je suis en alliance avec lui. Et il a glissé dans mon doigt, comme on a glissé dans le doigt du fils prodigue, la bague de l'alliance. Et j'ai dans mon doigt la bague à 4 diamants pour devenir mûr, pour être fort, pour être affermi et devenir inébranlable. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le psaume 119, le psalmiste demande en disant, « Je connais la voie de tes statuts, que je puisse la retenir jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin.
jusqu'à la fin. Je peux lui demander tout ça, tout cela, et je l'aurai. Parce que le Dieu qui m'a appelé, c'est lui qui me donne le repos. Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. My presence shall go with thee. Ira avec toi, ma présence ira avec toi. C'est moi qui vais te donner le véritable repos. Le chrétien n'a pas de repos ici-bas sur terre, c'est lui seul. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de dormir. Demandez au Seigneur, pas au médecin, demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur. Il est là, il est réel, puisqu'il le promet. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Alléluia. Pense à ton appel, chrétien. Pense à ton appel, chrétienne. Prends courage, car Dieu ne se repent pas ni de ses cadeaux, ni de ses appels. Il ne se repent pas de ses appels. Il t'a appelé, alors reste fidèle à cette alliance. Il va tenir son bord. Toi, tiens ton bord. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et personne ne les ravira de ma main. Elles me suivent. Amen. Pense à ton appel, mon frère, ma sœur. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. S'il t'a appelé, alors il ne se repentira jamais de ce qu'il a fait. Et il ne cessera pas de bénir, de guérir, de sauver, de remplir du Saint-Esprit, de pourvoir à tes besoins. L'épître de Jude est une petite carte postale à l'ombre d'une grande montagne, l'Apocalypse. Cette petite carte postale de Jude commence avec ce verset « À ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père et ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. » Ah, combien j'ai été béni en relisant l'introduction de la carte postale de Jude. Appelé, aimé, gardé. Vous pouvez faire une heure de prière juste avec ces trois verbes. Passez 20 minutes sur appelé, passez 20 minutes sur aimé, ou passez 20 minutes sur gardé. De quoi bénir le Seigneur et le remercier. Il vous a appelé, c'est le Dieu de toute grâce, mais il vous a appelé à quoi? Pierre dit, il vous a appelé à sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle, imaginez. Il vous a appelé tout d'abord au départ sur la terre, à la maison de conviction, là où il vous a fait sentir votre péché. Ensuite, il vous a convoqué au sommet du calvaire. Vous avez vu votre péché totalement payé par quelqu'un d'autre. Il vous a appelé au sommet du calvaire où votre pardon a été scellé dans le sang précieux de Jésus-Christ. Il vous a appelé ensuite aux tempêtes de la vie chrétienne. Il y en aura encore. Mais le vieux raffio de l'évangile, s'il craque, s'il tangue, s'il roule, s'en va vers sa destination finale, son port d'attache, Nouvelle Jérusalem. Nous entrerons dans le port un jour. Amen. Alléluia. Les voiles seront hissées et elles seront gonflées par le vent du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Il nous a appelés plus haut, plus loin, à quelque chose de plus beau, à sa gloire éternelle, là où l'Éternel même est assis. Imaginez, resplendissant sur son trône, entouré des anges, par millions, par milliards, des anges, des archanges, des séraphins qui sont là en train de le bénir et de le glorifier. Les chérubins sont autour de lui et disent « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Un jour, le Saint-Esprit a pris Jean sur l'île de Patmos, l'a emmené là-haut devant le trône de la gloire et il dit « Oh, j'ai vu quelqu'un assis sur le trône. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. » Et si vous lisez Apocalypse 5, vous allez voir, je dirais, plusieurs fois le mot trône, 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 sur le trône, autour du trône, dans le trône, et ainsi de suite. Amen. J'ai été convoqué, et un jour je serai là-haut, en face du trône, le bénissant, l'adorant et le glorifiant. J'ai été appelé à sa gloire éternelle, à sa gloire éternelle. Venant de cette lumière éclatante
Eh bien, une voix sort, et une voix m'appelle. Il y a une lumière, je dirais, à l'intérieur de laquelle les anges même n'osent pas regarder. Et il y a une voix qui parle soudain, du milieu de cette lumière, et qui dit, « Viens vers moi, toi, pécheur, lavé dans le sang de mon Fils. Viens à ma gloire éternelle. » Chers amis, nous pouvons parler aux cieux et dire, « Oh, cieux !» N'est-ce pas un appel merveilleusement étonnant, être appelé à la gloire, être appelé aux rues brillantes, éternelles, éclatantes, être appelé aux portes de perles, aux harpes, aux chants magnifiques, harmonieux d'un bonheur éternel. Être appelé plus que cela, à venir sur la poitrine de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Devant la face du Père. Devant la face du Père. Jean nous a donné ce qu'il a vu et il dit, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. Il n'y a pas ici-bas sur la terre de comptabilisation, tellement le nombre est immense, et des milliards de personnes. Personne ne peut compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Alléluia. Oh, merci Seigneur, être appelé. N'oubliez pas que nous ne sommes pas appelés à la gloire éternelle. Non, non, non. Nous sommes appelés à sa gloire. À sa gloire. Cette gloire a un propriétaire. Cette gloire appartient à quelqu'un. Elle appartient à ce Dieu qui un jour a penché ses yeux sur ma pauvre vie, m'a appelé à sa gloire éternelle. Alléluia. Il s'enveloppe de la lumière, ce Dieu merveilleux, comme d'un manteau. Il est lumière. Cette gloire même dans laquelle Dieu s'est enveloppé pour toujours, je la verrai et j'y entrerai. Comme Moïse est entré sur la montagne du Sinaï, dans la nuée, où était Dieu? Alléluia. Existe-t-il alors une prière trop grande après cela? S'il m'a appelé à vivre pour l'éternité dans le ciel, en sa présence, alors est-ce que l'affermissement n'est pas nécessaire pour moi? Oh oui, je veux être affermi, je veux être fort. Oui, je veux devenir inébranlable. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons ou même demandons, à lui soit la gloire dans l'Église, au siècle des siècles, au siècle des siècles, et à jamais. Il m'a appelé, j'ai été appelé, merci Seigneur, tu m'as appelé à ta gloire éternelle. Mais il ajoute, Pierre ajoute, il nous a appelé à sa gloire éternelle, ce Dieu de toute grâce, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, au moyen de Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Il n'y a aucune promesse qui est plus douce aux croyants que celle où le nom de Jésus est mentionné. Moi, je veux Jésus. Je peux aller au ciel, les rues d'or, les pavés d'or, c'est très beau, mais où est Jésus? S'il n'est pas là, je suis perdu. C'est lui. En Jésus. Merci Pierre d'ajouter en Jésus. Alléluia. Si je devais prêcher à des chrétiens découragés, si je devais prêcher à des chrétiens abattus, je ne prendrais pas un texte de la Bible qui m'empêcherait d'amener cette personne à la croix. C'est à la croix que ça se passe. Et le diable attaque la croix aujourd'hui. Le diable renverse la croix. Il n'aime pas la croix parce que c'est là qu'il a été battu, c'est là qu'il a été vaincu, c'est là que sa tête de serpent a été écrasée, c'est là que son dard a été arraché par Jésus-Christ. Alléluia.
sa grâce, la grâce du Seigneur, elle nous vient uniquement par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Si vous ne savez plus quoi étudier dans la Bible, étudiez la vie de Jésus. Jésus. Il est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Il est l'accomplissement des siècles à venir. Il rassemble tout en lui. Jésus, Jésus, aide-moi à te connaître. Le sang de Jésus est suffisant pour acheter chaque bénédiction dont j'ai besoin. Tout passe au travers de la couleur rouge, saint. Alléluia. Et si je vais au trésor de Dieu sans Jésus-Christ, j'ai peur de demander quoi que ce soit. Mais quand Jésus s'avance avec moi devant le trône du Père, alors je peux demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Il m'a dit, quand il était sur la terre, « Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. » Si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. S'il n'existe pas, je vais le fabriquer. Je vais le faire. Alléluia. Est-ce que la stabilité, est-ce que la garde, est-ce que la préservation, être inébranlable, être affermi, est-ce que la force, évidemment, est quelque chose de trop grand à Dieu de me donner? Non. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Et je le sais parce que ma vie a été totalement transformée. Alléluia. Merci Seigneur. Tout vient par Jésus-Christ. Chers amis, y a-t-il quelque chose de trop grand, de trop dur pour l'agonie de Jésus? Pour les souffrances qu'il a subies à la croix du calvaire? Tout vient de lui. Alors je veux vivre plus proche de lui, comme jamais auparavant. Mon frère, ma sœur, appuie-toi sur lui. Dépends de lui. Dépends de lui. Ne laisse jamais passer un jour sur ta tête sans une visite à Gethsémané, sans une visite à la croix du calvaire. C'est là que ça s'est passé. Quand nous pensons beaucoup à Jésus, alors nous pensons très peu à nous-mêmes. Nous pensons très peu à nos troubles, à nos inquiétudes, à nos doutes. Nous pensons très peu à notre solitude, à nos peurs, à nos craintes autour de nous. Ne craignez pas le monde, ne craignez pas ce que le monde craint. Et si vous n'êtes pas sauvé, alors il faut courir vers Jésus. Courez vers lui. Si vous allez un jour vers un juge et que vous avancez, et là, vous tremblez, vous n'êtes pas le bienvenu, vous êtes dans le box des accusés. Et si vous allez vers un docteur, oh, vous avez peur peut-être qu'il va me trouver un cancer. Oui, mais quand vous allez vers Jésus, alléluia, quand vous allez vers Jésus, vous venez avec assurance. On ne vous demande pas de l'argent, on ne vous demande pas une préparation nécessaire. Non, comme vous êtes, tel que vous êtes. Amen. Et vous connaissez très bien, évidemment, donc, le cantique tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang. Versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi, je cours vers toi, tel que je suis, peut-être bien vacillant, peut-être bien chancelant, en proie peut-être au doute à chaque instant. Oui, des luttes au dehors, oui, des craintes au dedans, mais agneau de Dieu, je viens à toi. Amen. Alléluia. Chers amis, Martin Luther, ce grand homme de Dieu a déclaré en Allemagne, « Même si Jésus-Christ avait une épée nue dans les mains, je courrais quand même dans ses bras. » Alléluia. Courez vers lui. Courez vers lui. Il ne veut pas vous tuer. Amen. Mais il a ses mains ouvertes, ses mains percées. Il nous a gravés. Amen. Il nous a gravés. Gravure sur main. Chers amis, nous avons besoin de savoir qui il est. Il nous a marqués dans ses mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Puis-je venir? Pasteur Bougie, est-ce que je peux venir? Non. Il vous commande de venir. Il vous commande de venir à lui. Venez à moi.
vous tous qui êtes fatigués, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut s'en remettre totalement entre ses mains. Abandonnez toute idée de devenir meilleur. Vous ne pourrez jamais devenir meilleur par votre propre force. Ça ne peut pas se faire. Je suis étonné qu'André l'ait souligné tout à l'heure, et c'est écrit ici directement. Elle n'a pas lu, elle ne sait pas ce que je vais dire, elle ne sait jamais ce que je vais prêcher. Et ici, il dit, abandonnez toute idée de devenir meilleur par votre propre force. L'Esprit de Dieu vous le dit. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Toutes tes dettes avec Dieu sont toutes payées. Ah, merci Seigneur. Alléluia, relevez la tête. Amen. Vous n'avez plus aucune dette avec le Seigneur. Tout a été payé à la croix du calvaire. Confiance en Jésus-Christ. Amen. Vous me posez une dernière question, pasteur Bourgier. Si je résiste à Satan, est-ce que je vais souffrir? Oui. Ah oui. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Et si je résiste au diable, est-ce que ce sera douloureux? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Après les luttes, après les batailles, notre commandant en chef va épingler sur votre robe blanche décoration. Ça va être merveilleux. Il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Ici, nous avons l'image d'un vétéran, d'un héros de guerre. On a l'image de troupes d'élite, dont les muscles de la foi ont été endurcis par les batailles. Voilà un chrétien pleinement arrivé à maturité, à une stabilité. Il est enraciné, il est fermement établi dans l'unique vérité. Jésus a promis de peindre ce portrait dans nos vies. C'est lui le peintre. C'est lui qui tient le pinceau. Alléluia. Et sa main est nettement plus forte que la main du diable. Amen. Celui qui est en toi, mon frère, ma sœur, est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il a la domination éternelle. Celui qui est en toi, il a une autorité absolue et finale. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cette semaine, rappelle-toi cette petite phrase. Il a vaincu le monde. Je marche maintenant avec lui. Il a vaincu le monde. Tu regarderas le monde autour de toi, c'est tout des vaincus. Ils ont été vaincus. Leur incrédulité, leur impureté, leur saleté, leur dévolu, leur légèreté, leur frivolité, tout cela a été vaincu par notre Sauveur à la croix du calvaire. Amen. On va se lever ensemble, on va bénir le